On l'a appelée Mercurio parce qu'elle ressemble à un atome de Mercure et en référence à la planète du même nom. La machine est transportable et évolutive, on peut très facilement changer sa taille pour numériser des petits objets comme des très grands. Avec Mercurio, on peut faire varier la lumière pour faire ressortir des détails parfois invisibles à l'œil nu. De cette manière, l'utilisateur dispose sur l'écran d'autant d'informations que s'il avait l'objet dans les mains. Ce que l'on veut, c'est promouvoir la technologie 3D et en démocratiser l'accès.